Bonjour Rav. Shalom bracha. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez une petite ségoula pour Tou Béav? Ou Tou Béav, mercredi si Dieu veut, ce sera Tou Béav. Il y a beaucoup de raisons à Tou Béav, mais c'est surtout le jour connu pour la comparaison avec la Saint-Valentin qu'ils ont en France. C'est le jour de l'amour parce que les tribus, enfin, ont accepté de s'épouser les uns et les autres. La tribu de Shimon a pu épouser la tribu d'Asher, alors qu'avant cela, ils vivaient. Chaque tribu épousait une fille de sa rue, en d'autres termes, de sa propre tribu. Et puis en même temps, la tribu de Binyamin, qui avait subi cette guerre terrible où 400 survivants seulement avaient été condamnés par les autres tribus à cause de la fameuse Pilégèche, enfin une histoire de la Bible, eh bien, ils ont pu enfin se remarier le jour de Tou Béav. Et donc, une ségoula très connue à Tou Béav et qui vaut vraiment le coup d'être entendue, c'est que tout celui qui veut se marier et qui, avant l'aube de Tou Béav, lira le livre de Shir HaShirim, donc les 8 prakim, les 8 chapitres de Shir HaShirim de tout son cœur, aura de grandes chances de trouver son zivoug, Bezrat Hashem, pour cette année, son âme sœur, pour cette année. Une deuxième ségoula qui est très importante à retenir, c'est d'acheter justement le verre que l'on casse sous la choupa pour le Khatan, Bezrat Hashem, surtout si se marie à Tou Béav. D'accord, merci beaucoup, Rav.